Nous voulons encore l'acclamer un peu plus fort parce qu'il est digne de recevoir la louange et l'honneur. Celui-là qui a donné sa vie pour nous, alléluia, il est digne de recevoir la gloire. Est-ce que nous pouvons comme pousser des cris de joie parce qu'il est le rocher de notre salut? Notre victoire est en lui et son nom est Jésus. C'est lui qui a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Voilà pourquoi nous le proclamons encore. Nous nous mettons au milieu de l'assemblée pour dire qu'il est digne de recevoir nos acclamations. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux, tu peux te rasseoir. Mais j'aimerais tout simplement que tu penses au bienfait de Dieu. Je voudrais te parler de cette femme-là. Il s'agit d'une veuve dans le livre de Luc, le chapitre 11 et le verset 17. C'est la veuve de Naïn. La Bible dit qu'elle venait de perdre son mari. Et il n'y a pas très longtemps encore, une mauvaise nouvelle encore suit. On lui dit que c'est son fils qui meurt. Et cette femme, elle avait pleuré tout son deuil, elle avait exprimé toute son amertume devant la situation qu'elle est en train de vivre. Et la Bible dit que Jésus passait par là. Alors qu'on accompagnait le sépulcre pour l'ensevelir, c'est-à-dire qu'on partait enterrer son fils, le Seigneur Jésus a entendu ses pleurs. Et il s'est approché de l'enfant, tout simplement, il a dit, « Lève-toi. » Lève-toi parce que tu n'es pas destiné à mourir. Lève-toi parce que ce que j'ai prévu pour toi, c'est que tu publies la louange, c'est que tu dises ce que j'ai fait pour toi. Toi et moi, nous sommes là et nous sommes témoins de la fidélité de notre Dieu. Chaque instant de chaque jour, il nous fait la grâce de voir ces miracles tout autour de nous, ne serait-ce que nous lever et sourire, ne serait-ce que nous lever et avoir la force de faire nos activités de chaque jour, c'est un miracle pour nous. Amen. Et je voudrais que tu puisses penser à ces bienfaits-là et que tu dises merci Seigneur. Merci Seigneur parce que je n'ai pas mérité ton amour. Merci Seigneur parce que ma vie est un miracle. Je veux parler de toi. Je veux te dire, Seigneur, toute ma reconnaissance parce que tu es unique en ton genre. Tu t'es choisi toi-même pour que quand tu proclames des paroles dans ma vie, ces paroles-là soient réalité. Voilà pourquoi ce soir, je veux élever mes mains, je veux élever la voix, je veux lever les mains pour dire que je parlerai de ta bonté. Je dirai ce que tu as fait pour moi et je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Parce que tu m'as guéri de mes maladies, tu m'as sauvé de la mort. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un ce soir se sent concerné comme moi et qu'il nous dise, je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ta fidélité. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Si tu réalises ces paroles, lève les mains comme moi et dis, je parlerai de ta bonté, ta fidélité, ta fidélité. Élève la voix et proclame, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, parce que moi je marche
marchais dans les ténèbres. Lorsque tu as posé ta main sur moi, tu as brisé mes chaînes. Oh Dieu, je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire, la gloire, la gloire de Jésus. Je parlerai, je parlerai. Dis-le, dis-le avec moi. Parle au Seigneur et dis ta reconnaissance. Ta fidélité, je dirai tout haut. Je parlerai, je parlerai de ta bonté, bonté, ta fidélité, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Parce que par ton nom, la stérile enfant de cette foi, parce que par ton nom, les aveugles voient, parce que par ton nom, les boiteux marchent, je proclamerai la gloire de ton nom. Dis, je parlerai, yeah, yeah. Je parlerai, je parlerai de ta, dis-le, de ta, je dirai tout haut, je dirai tout, le Seigneur t'entend le dire, dis-le, ce que tu as fait pour moi, dis je proclamerai la gloire, parce que c'est lui qui décante toutes les situations compliquées. Dis encore, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Il est ressuscité pour toi, mon frère, pour que tu ne sombres plus dans la mort, pour que tes finances puissent ressusciter aussi, pour que le chemin soit ouvert devant toi. Alors, n'hésite pas, proclame la gloire de son nom. Utilise toi-même tes mots et commence à dire, Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant. Je mets ma confiance en toi. Parce que désormais, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Oh, je suis libéré. Christ m'a délivré. Et je suis fait pour sa louange. Publier la louange de mon Dieu. Voilà pourquoi je proclamerai la gloire de son nom. Le nom qui libère, c'est Jésus. Le nom qui sauve, c'est Jésus. Le nom qui donne la victoire, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Tout ce que tu as fait, je proclamerai la gloire de ton nom. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Prosternons-nous devant le Père. Dis à jamais tu seras, à jamais.
tu seras l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Je veux chanter. La gloire du ressuscité, car l'agneau immolé nous a rachetés, nous a rachetés pour Dieu à jamais. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, moi seul. Proclamons sa gloire. Alléluia. Proclamons la gloire du ressuscité. Proclame la gloire de celui-là et tout autre. Jésus, tout genou fléchit et reconnaît qu'il est Seigneur. Voilà pourquoi nous proclamons qu'il est digne de s'asseoir sur le trône. Oh, Jésus est sur le trône. 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 Jésus est sous. Nous élevons nos mains, nous élevons nos voix pour dire à jamais tu seras le Dieu. Parce qu'auparavant, pour que les péchés soient expiés, nos ancêtres offraient des bœufs, offraient des bêtes. C'était la manière pour eux de recevoir le pardon des péchés. Mais depuis que Jésus est venu mourir pour toi et moi, nous avons accès à Dieu. Nous pouvons parler à Dieu. Il nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est l'occasion pour toi, mon frère. C'est l'occasion pour toi, ma soeur. Jésus est l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Le trône. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a porté tes maladies. Oh, Jésus, Jésus est l'agneau de Dieu. Règne sur le trône. Jésus a supporté la honte de la croix. Jésus a accepté ce bois maudit pour toi et moi. Jésus a donné sa vie et il règne sur le trône. C'est pour cela que nous lui devons la gloire. Gloire à l'agneau.
règne sur le trône. Qui règne sur le trône. Disons-le encore, peuple de Dieu, disons gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Qui s'est livré. Qui s'est livré pour moi. Gloire à l'agneau de Dieu. Qui règne sur. Il règne sur le trône. Nous voulons l'acclamer parce qu'il est digne de recevoir notre louange. Alléluia.